Hey bien, salut à tous, c'est amis, c'est Skyris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment faire un bâton lumineux. Donc si vous êtes perdu dans la nature et que vous n'avez pas de lumière, c'est parfait. Donc voilà, dans ce tuto vous aurez besoin d'un stack de carbone, un stack d'oxygène, un stack d'azote et un stack d'hydrogène. Donc le carbone, son code c'est 666, oxygène 888, azote 777, hydrogène 111. Donc vous mettez tous ces chiffres dans le P, le E et le N de votre constructeur d'éléments que vous avez dans le mode éducation de Minecraft. Donc le mode éducation, il y a un de plus simple pour l'avoir. Quand vous créez un monde ou quand vous modifiez un monde, vous allez dans les options, vous descendez jusqu'à trouver mode éducation et puis vous cochez et puis voilà, ça vous fait une copie. Donc maintenant vous allez dans le créateur de cœur composé que vous avez dans le menu créatif, normalement si tout se passe bien, parce que moi je l'avais, donc vous il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas. Vous mettez 7 de hydrogène en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ceci. Après, vous prenez votre azote, vous en mettez 3 en bas, 1, 2, 3. Vous prenez votre carbone, vous en mettez 8 à côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous prenez votre oxygène et vous en mettez... combien? 2, attendez, deux secondes, je refais, voilà. 1, 2, et bien sûr, j'ai oublié un carbone. Donc voilà. Après que vous avez votre luminol, vous le mettez dans votre inventaire, vous allez tout reprendre. Vous revenez dans votre table et vous mettez deux oxygènes et deux hydrogènes en haut-dessus. Voilà. Et là, vous avez votre peroxyde d'hydrogène. Donc le peroxyde d'hydrogène, il va vraiment servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, vous revenez ici, vous prenez votre hydrogène, pardon, excusez-moi, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous en mettez 20. Après, vous prenez l'oxygène et vous en mettez, je sais plus trop combien, on va voir ça de toute façon. Allez, allez, bientôt, bientôt. Je suis à combien? Je suis à 20 aussi. Oula, il y a un petit problème. Ah non, c'était pas hydrogène, je suis débile, c'est carbone, désolé. Je suis vraiment désolé, je me suis trompé entre deux. Voilà. Et jusqu'à que vous trouviez votre polyéthylène. Je suis vraiment désolé si je ne sais pas prononcer ce mot, donc c'est un peu dur en même temps. Donc voilà. Après, vous allez dans votre table de craft, désolé, je viens de dire. Vous mettez le colorant vert au milieu. Vous prenez votre polyéthylène. Vous avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez votre peroxyde d'hydrogène en haut et vous prenez votre luminol et vous le mettez en bas. Donc là, vous avez un glow stick de glow stick vert. Donc voilà. Quand vous appuyez dessus, ça va l'allumer. Et là, normalement, ça va faire la lumière. Bon, moi, ça ne fait pas parce que je suis en jour et voilà. Donc voilà, les gars, ce tuto est déjà terminé. Si vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner et à partager. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!